de la plus douce manière du monde. Porté par le courant, tout le long de cette danse faite de courbes, d'hésitations et des pauses que le fleuve avait apprises en des siècles de voyage, lui, le grand sage, seul à connaître la route la plus belle, la plus bienveillante et la plus douce pour arriver jusqu'à la mer sans se faire de mal. Ils descendirent avec cette lenteur, décidés au millimètre près par la maternelle sagesse de la nature, se faufilant peu à peu dans un monde d'odeurs, de choses et de couleurs qui dévoilaient jour après jour avec une extrême lenteur la présence lointaine, puis de plus en plus proche du ventre énorme qui les attendait. L'air changeait et changeait les horreurs et les ciels. Et la forme de maison, les oiseaux, les bruits, et le visage des gens sur la rive, et les paroles des gens sur leur lèvres. L'eau glissant vers l'eau, délicate caresse d'amour. Les anses se plaisent comme une berceuse de l'âme, un voyage imperceptible. Dans sa tête, des sensations parmiées, mais légères comme des plumes qui volent. Aujourd'hui encore, tous racontent ce voyage. Chacun à sa manière, tous sans l'avoir jamais vu. Peu importe, ils ne cesseront jamais de le raconter pour que personne ne puisse oublier combien ce serait beau si pour chaque mer qui nous attend, il y avait un fleuve pour nous.
Thank you.
l'humidité spongieuse d'un sable jusque-là pacifique s'éveillait soudain et l'évaporait dans le néant. Il regardait dans le cercle imparfait de son univers visuel la perfection de ce mouvement oscillateur formait des promesses que l'unicité singulière de chacune de ces vagues condamnait à n'être pas tenue. Il était impossible d'arrêter cette continuelle alternance de création et de destruction. Ses yeux cherchaient la vérité descriptive et mesurable d'une image complète et sûre. Et il se retrouvait en fait à courir derrière l'incertitude mouvante de ce va-et-vient qui berçait et bafouait tout regard scientifique. C'était agaçant. Tôt ou tard, viendrait s'inscrire le profil exact de la vague ourlée d'écume qui l'attendait. Et là, il se fixerait comme une empreinte dans son cerveau. Et lui, il comprendrait. Tel était le plan. Il était semblable à un piège, imperturbable et patient. Il attendait sa proie. Et sa proie, lentement, arriva. Deux chaussures de femme. Grandes, mais de femme. Vous devez être, à vrai dire, c'était une vague qui l'attendait, ou quelque chose de ce genre. Il leva les yeux et vit une femme enveloppée dans un élégant manteau. Oui, professeur. Vous avez perdu quelque chose? Non, je suis en train de travailler. Travailler? Oui, je fais des recherches, voyez-vous. Des recherches. Des recherches scientifiques, je veux dire. Scientifiques? Oui. Coquillages, lichens, ce genre de choses? Non, vague. Texto, vague. C'est-à-dire, vous voyez, là, l'endroit où l'eau arrive. Elle monte le long de la plage, puis elle s'arrête. Voilà, cet endroit-là exactement. Celui où elle s'arrête. Ça ne dure qu'un instant. Regardez, voilà, ici par exemple. Vous voyez, ça ne dure qu'un instant, puis ça disparaît. Et si on pouvait fixer cet instant, l'instant où l'eau s'arrête, à cet endroit-là, exactement, cette courbe. C'est ça que j'étudie. L'endroit où l'eau s'arrête. Qui l'a étudié? Eh bien, c'est un endroit important. On n'y pense pas toujours. Mais si vous réfléchissez bien, il se passe là quelque chose d'extraordinaire. D'extraordinaire. Vraiment? Oui, c'est là que finit la mer. La mer immense. L'océan mer qui court à l'infini au-delà de tous les regards. La mer énorme et toute puissante. Il y a un instant, il y a un endroit où elle finit. La mer immense, un tout petit endroit et un instant de rien. C'était ça qu'il voulait dire. Je suis moi aussi à la pension en cure. Voilà une excellente nouvelle. Vous prendrez bien le thé avec moi, n'est-ce pas, cet après-midi? Certaines choses, il ne les avait vues qu'au théâtre. Et au théâtre, les gens répondaient toujours. Ce sera avec plaisir. Une encyclopédie des limites. Oui, le titre dans sa totalité serait « Encyclopédie des limites observables dans la nature » avec un supplément consacré aux limites des facultés humaines. Et vous êtes en train de l'écrire? Oui. Tout seul? Oui. Du jet? Il le prenait toujours avec du citron, son thé. Oui. Merci. Tu l'es. Un nuage, sucre. Petite cuillère, cuillère tournant dans la tasse, cuillère qui s'arrête, cuillère sur la soucoupe, elle en face, l'écoutant. La nature a une perfection à elle surprenante et qui résulte d'une addition de limites. La nature est parfaite parce qu'elle n'est pas infinie. Si on comprend les limites, on comprend comment le mécanisme fonctionne. Le tout, c'est de comprendre les limites. Prenez les fleurs, par exemple.
Un fleuve peut être long, très long, mais il ne peut pas être infini. Pour que le système fonctionne, ce fleuve doit finir. Et moi, j'étudie de quelle longueur il peut être avant de finir.